Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo haul Shein. Alors là, je suis excitance 8000 parce que en fait, j'ai reçu deux colis. Un premier pour cette vidéo d'aujourd'hui et un autre. Mais alors laisse tomber, ça m'émet la chèvre. C'est les nouveautés qui vont sortir sur le site de Shein le 16 juin. Donc ma prochaine vidéo sera postée le 16 juin où tu pourras foncer sur les nouveautés. Mais alors laisse tomber, franchement j'ai ouvert le colis, j'ai pas pu attendre. Et sincèrement, il y a des perles, des pépites, des combis pantalons, mais tellement belles pour cet été. Enfin, et entre autres, hein, parce que tout est super cool. Donc ça, ce sera pour la vidéo du 16 juin. Mais là, il y a aussi quelques pépites pour cette vidéo-ci. Notamment, alors je vais avoir besoin de ton avis, en fait j'ai un mariage. Je suis invitée à un mariage en juin et j'ai commandé une robe. Elle est tellement belle. Bien évidemment, je te mets tous les liens en barre d'infos. Il n'y a pas de soucis là-dessus, tu me connais. Comme tu le sais, dans ma dernière vidéo Shein, j'avais commandé un maillot de bain en taille L. Donc, je fais 1m64. Je fais grosso modo 60 kg. Je fais un petit 40. Voilà, j'ai encore 6 kg à perdre. Merci. Et donc, voilà, j'avais pris un maillot de bain en taille L. Et le bas allait nickel, mais le haut était un peu trop grand. Du coup, je me suis dit, prends un maillot de bain en taille L, mais avec un haut réglable. Tu vois, parfois, il y a des petites connexions qui se font et qui fait que tu réfléchis. C'est génial. J'ai pris un maillot de bain, tu vois, un petit peu marin, tu vois. La culotte qui est pas mal, parce que, donc déjà, elle est doublée. Et elle cache les fesses. Tu vois, parce que t'as des culottes, ça te fait des tangas ou voire des strings. Et je ne suis pas sur une plage du Brésil, non, je suis à Lyon-Centre, donc voilà. Hein. On cache les fesses, s'il vous plaît. Et encore plus les fesses d'après grossesse, merci. La culotte est parfaite pour un L. Si vous faites un 38-40, la culotte est parfaite en L. Et le haut, alors le haut, il me va nickel parce que du coup il est réglable, mais je trouve qu'il est beaucoup moins féminin que le haut d'avant, tu te rappelles, en rouge, qui avait un grand décolleté, des jolies bretelles. Là il est réglable et ça fait effet brassière. Alors moi j'ai une petite poitrine, mais pour autant j'ai jamais aimé les brassières, je trouve que ça fait trop petite fille. Je trouve, mais enfin voilà, après il y a le détail dans le dos, un super joli lassage dans le dos et ça, c'est sympa, ça rattrape un petit peu le côté brassière qu'il y a sur le devant. Je te montre les articles pour l'instant et on essaiera tout après, comme ça le haut tu verras, je l'essaierai, je te montrerai. Ensuite, gros coup de cœur. Je fais gaffe parce qu'il y a Maria Carré, tu vois, vers les parages d'endroits où il y a des conneries potentielles à faire. Un pantalon que j'ai adoré, qui fait hyper classe, mais alors attention. C'est un pantalon qui est hyper méga métable pour le printemps, début été. Mais alors, si t'as tendance à transpirer, fais attention parce que c'est une matière, en fait, on voit, en fait, tu sais, la transpiration. Si tu mets une goutte d'eau dessus, et ben ça se voit direct. Super joli, hyper bien coupé, c'est une coupe carotte classique. La matière elle est géniale, c'est pas une matière parachute, tu vois, c'est une matière légère quoi. Après voilà, le seul truc c'est que fais attention si tu transpires dans tes pantalons, tu vois, si par exemple tu te fais une journée en ville et que t'as tendance à transpirer, fais attention dans ce genre de couleur du moins. Si tu le prends en noir ou en bleu marine, ça se verra pas trop, mais là c'est un petit saumon marron, un basique, moi c'est un truc que j'ai tous les années. L'année dernière j'en avais commandé une sur Shein avec un flamant rose, hyper original, j'adore cette coupe, pour moi c'est un basique de l'été. Et là cette fois-ci j'ai repris cette jupe mais en jean. Voilà, une jupe qui arrive un petit peu en dessous du genou avec deux poches sur les devants et boutonnée avec des faux boutons, imitation bois. Tout le long, voilà, donc ça pour moi c'est un basique, tu vois, avec un petit haut qui contraste comme ça, rouge, je trouve que ça peut être génial, elle a une super bonne matière. Attention, attention les amis, on arrive à la pièce maîtresse de ce haul, qui est la robe que je veux porter, j'allais dire à mon mariage, non, c'est pas du tout mon mariage, mais au mariage auquel je suis invitée. Elle est tellement belle, magnifique.
Elle est bien bouffante, tu vois, portée, elle flatte ici, elle est un peu resserrée. Là, ça fait un peu bustier en dessous, en transparence. Donc, je trouve qu'elle met bien en valeur la silhouette. Le seul truc, c'est la matière, tu vois, ça fait une matière un peu crépon. Et c'est pas que c'est pas confortable, mais un petit peu, tu vois, ça gratte un peu. C'est pas une matière hyper, hyper fluide, hyper douce. C'est pas sur tout le corps parce que du coup, il y a la doublure. Mais surtout au niveau de là des coutures, les manches, tu vois, c'est un petit peu et du col, ça gratte un petit peu, mais bon après franchement pour un mariage, tu serres les dents et puis voilà, mais de toute façon tu bois 3-4 verres après, c'est bon, tu sens plus que ça gratte. Et alors il me manque, il va falloir que j'investisse illico Massias dans des chaussures, parce que vous commencez à me connaître et vous le savez, moi je ne sais pas marcher avec des talons, donc je vais essayer de me trouver genre des nu-pieds, tu vois, un peu nude, voilà, et après à accessoiriser. Alors je sais pas du tout si je mets, tu vois, genre le maquillage des yeux tout simple comme ça avec un gros rouge à lèvres rouge, ça peut être sympa. Voilà pour ma sélection, on passe aux essayages de suite. Donc je te montre en premier lieu la brassière, voilà, donc tu vois, ça fait vraiment, ça fait brassière. Je trouve que c'est pas hyper féminin, femme, après bon. Voilà, on s'en remettra. Voilà le derrière. Il faudra que j'enlève l'étiquette. Mais le derrière, je trouve qu'il est très joli. Le derrière est très joli. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Voilà, en tout cas, les hauts réglables pour celles qui ont des hanches et des toutes petites poitrines, eh ben, le haut réglable, je trouve que c'est une bonne alternative. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de poitrine, j'allais me dessaper là. Mais bien sûr. Voilà, alors le pantalon, voilà ce qu'il donne. Essayez. Donc c'est un taille haute, matière très fluide. Là c'est un L. Et alors faire attention avec les sous-vêtements que. Enfin si vous prenez ce modèle, les sous-vêtements, ça se voit quand même en dessous. Mais je le trouve très chic. Donc voilà où il arrive à la cheville. Voilà, avec une petite veste en jean et tout, ça peut faire nickel. Je le trouve super beau. Ça fait un peu, tu vois, c'est un peu grand ici, mais malgré tout, avec la matière, je trouve que ça fait un peu drapé. Ça ne me dérange pas du tout. Je le trouve super beau. Je peux me permettre d'enlever mon pantalon là, parce que, bien évidemment, tu ne vois pas. Mais il est enlevé. Ouh. La jupe, petit basique. Je ne change pas de haut parce que ça irait très bien avec cette petite blouse blanche également. Bon, là, je le mets avec un haut classique, mais avec un haut hyper décalé, un petit peu, tu vois, style un t-shirt de métal ou un truc. Qui casse le côté troussage de la robe, ça peut être super sympa. Mais moi, tu vois, c'est un truc, je le mets souvent avec des trucs comme ça, petite basket blanche, un petit nœud dans les cheveux et tout, tu vois, un petit foulard dans les cheveux. Et ça, tu vois, t'as les jambes à l'air l'été, et t'es tranquille. En plus, il y a des petites poches. Non, franchement, j'aime trop. Et attention, on passe à la robe, les gars. Alors, il manque un bouton, mais c'est pas de leur faute, c'était bien attaché, c'est moi qui ai ouvert le colis comme une cinglée parce que j'avais tellement hâte. Mais voilà, il y a un bouton ici, donc ce sera fermé là. Et là, tu vois, donc sur le corps, ça ne me dérange pas du tout, mais là, au niveau des coutures, ben, ça fait matière crépon, tu vois. Là, quand ça touche ici, sous les bras. Mais bon, après, au pire, je mettrai une petite crème pour le corps et tout, qui adoucira ma peau au max. Mais voilà, donc là, il faut que tu vois que c'est col comme ça, là. J'adore, non mais tu vois, déjà le haut, je trouve bien bouffant et tout. Elle est magnifique, avec les petits pois, donc bleu marine avec les petits pois noirs. Je sais pas pourquoi je t'explique, parce que tu as les mêmes yeux que moi. Tu vois donc la couleur. Et voilà ce qu'elle donne. Ah, si elle est canon. Je l'adore. Je l'adore. Et tu vois, elle est bien bouffante. Elle se tient super bien. Franchement, elle est tellement pas chère. C'est une tuerie. Et elle est toute simple, tu vois, toute mignonne. Du coup, tu peux accessoiriser après avec un joli maquillage ou si tu sais marcher avec des talons, des jolies chaussures à talons. Mais moi, ce ne sera pas mon cas, ce sera des tatanes. Tout à fait. Elle est trop belle. Et tu vois, elle monte, elle tient bien la taille, elle est bien. Non, je trouve qu'elle est super jolie. Donc je l'ai pris en taille. Je crois que je l'ai pris en taille M. Je vois pas l'étiquette, mais oui, je l'ai pris en taille M parce que
à la base, et c'est encore un signe, tu vois, à la base, je l'avais prise en L, et en fait, il n'y avait plus ma taille en L, du coup, je l'ai prise en M, et en M, elle est parfaite. Donc, voilà. Après, j'ai pas beaucoup de poitrine. Si tu as beaucoup de poitrine, j'ai encore de la place, mais pas beaucoup, tu vois. Dans ma prochaine vidéo Shein, là, qui sera le 16 juin, j'ai une combinaison, combi pantalon avec les manches un petit peu, tu sais, des robes de flamenco, bleu marine avec des pois blancs, qui est hyper chic, avec un super joli décolleté. Et j'hésite entre cette robe-là, mais bon, je pense que ça va être cette robe, bon, sans soutif, hein. Je pense que ça va être cette robe parce qu'elle est vraiment hyper belle, mais la combinaison est hyper jolie aussi. Donc, comme mon mariage est après le 16 juin, j'aurai besoin de vous. Vous me donnerez mon avis sous la vidéo du 16 juin, si je prends cette robe pour le mariage ou si je prends la combi pantalon. Eh bien écoutez, pour moi, c'est encore un franc succès. J'adore ce site, mais vraiment. Je trouve que les habits sont hyper originaux. Là, je regarde les autres que j'ai reçus. Franchement, il y a des pièces, sincèrement. Mais voilà, ça vaut Zara, ça vaut Alès Blaise et pour le prix vraiment moindre. Donc voilà, une fois que... Après, moi, je vous ai toujours dit sur Shein, le truc que je fais tout le temps, par contre, c'est prendre un maître de couturier. Et il y a toujours les mesures. En plus, maintenant, il va y avoir un petit changement sur le site, je crois. Tu rentres tes mensurations et lui te dit quelle taille de vêtements prendre. Donc ça, c'est encore mieux. Et voilà, donc c'est le seul conseil. Tu te mesures le body et puis après, bah, tu ne peux pas te tromper. Moi, je ne me suis jamais trompée sur les tailles. Si une, sur l'autre vidéo du 16, là, sur une taille. Je suis dégoûtée, mais bon, ça arrive sur tous les vêtements que j'ai commandés. Voilà quoi. Et la qualité, bah écoutez, moi franchement, j'ai rien à y redire. Sincèrement. Si vous avez un mariage, dites-moi, vous, comment vous allez vous habiller. Ça m'intéresse grave et ça pourra me donner des petits tips pour moi, pour ma préparation. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.